de l'année prochaine, donc On dans the 1st quelques of jours, nous January next marquerons year, we will l'anniversaire have the de 10 ans anniversary of the de 10 years l'introduction des pièces et des billets since en euros dans les 11 euros premiers were pays qui ont rejoint introduced l'euro into au Europe. 1er The janvier first countries 2002. joined the euro on Nous the 1st of n'envisageons pas January de 2002. célébration We're not planning to have any particulière, celebrations particularly on that. n'est pas là pour ça et nous ne sommes That's pas not non what plus we're pour here célébrer for. We're not here les to choses. Ce celebrate que les things, États membres ont basically. décidé en What the accord member avec la Banque states centrale have et avec decided to nous, do in accordance c'est with the central bank and us de frapper is une pièce to commémorative de 2 mint a €2 90 commemorative millions de coin. pièces seront mises en circulation dans les 90 prochains jours dans million les pays de la zone euro, coins will be marquant released into the effectivement eurozone l'anniversaire to mark the de l'introduction anniversary of the des pièces et des introduction billets, of et the ainsi les citoyens coins pourront and se notes souvenir so that citizens will de ce have moment. a souvenir. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes That pas fiers doesn't de notre mean monnaie unique. Nous that we're not considérons proud of que our ça single reste l'une currency. We believe that this is one of the major achievements of European history. 10 years later, I'm sure that some of you will actually remember the time very well when the first coins and notes started circulating in Europe and how proud we all were at that time. And we believe that this is still a reason to be proud. We can still be proud of our single currency. It's brought us an enormous number of advantages. You can't say that quite enough. 322 million euros in Europe by using the euro. Over the 10-year period, we've had less than 2% inflation. We all remember the situation with our parents and in the 80s and the 90s. Sometimes inflation was higher than 10% when people used to buy cars and houses. Now we have an all-time low, and that's thanks to the euro and the central bank's policies. Now, if you look at internet, you can compare the price between Italian, German, and Spanish sites, and you can buy the same product at the best price for you. Le meilleur prix. Aujourd'hui, 20% des échanges mondiaux sont faits en euros, ce qui permet à nos entreprises, ou qu'elles soient basées en euros, d'acheter et de vendre avec des coûts beaucoup moindres. Il faut savoir que la suppression des taux de change pour les citoyens, Removing pour les voyageurs, comme pour les entreprises européennes, permet d'économiser par an entre 20 et 25 milliards d'euros. Ces sommes aujourd'hui, elles sont économisées et elles sont utilisées par les États membres et par les entreprises et par les citoyens à soutenir la croissance et l'emploi. Si nous n'avions pas l'euro, nous payerions toujours des coûts de 20 now, à 25 course, milliards, c'est une économie importante qui puis l'euro est devenu une monnaie de réserve euro. Mondiale, la deuxième so après le dollar, 26% des réserves mondiales en change sont aujourd'hui libellées en euros, ce qui assure un poids, is kept in un euros, poids très important. And that, of course, has 23 a significant pays, impact. Qui ont souvent 17, bien entendu, mais il faut savoir que 23 pays européens utilisent l'euro, bien entendu, 17 de la zone euro, mais il y a un certain nombre d'autres pays européens en dehors de la zone euro qui ont été autorisés à utiliser cette monnaie comme monnaie de circulation. Bien entendu, il y a la cité du Vatican, You've got the Vatican, le Liechtenstein, San Marino, Andorra, frappé which has sa monnaie been allowed au 1er janvier 2013. To, je dois aussi ajouter le Monténégro et le Kosovo. So et donc, au total, Kosovo 322 millions de citoyens qui utilisent cette monnaie, euros, dont nous sommes très fiers, currency, et we're very qui proud a of that un long fact. Avenir devant And this has a long future ahead of it.